Bien, bah écoutez, bonjour, bonjour à tous. Je salue tous les panélistes qui ont accepté de participer à cette nouvelle manifestation dans le cadre du mois de la recherche. Nous avons démarré par les questions d'organisation de nos labos de recherche et nous avons évidemment un gros sujet dans ce mois de la recherche sur la valorisation. Nous avons entendu la semaine dernière des expériences de valorisation. Par des représentants de différents IAE sur le fonctionnement des chaires, des workshops, des activités qui permettent de valoriser nos travaux, des revues, qui sont des revues, non pas des revues au sens académique du terme, mais qui permettent de diffuser un savoir d'une manière différente. Et donc aujourd'hui, dans notre écosystème, il y a évidemment la FNEJ, donc je salue la FNEJ et son délégué général et tous ceux qui travaillent avec eux pour nous aider et nous représenter les dispositifs qui sont à notre disposition via la FNEJ pour travailler à cette valorisation. Voilà, je remercie tous ceux qui sont connectés, puis tous ceux qui regarderont ce webinaire, puisque comme on en a pris l'habitude maintenant, il sera rediffusé. Vous pourrez y trouver un petit peu les informations dont vous avez besoin et les relais et contacts dont vous avez besoin. Voilà. Je vous laisse à ce sujet qui m'est cher, vous le savez, et je vous souhaite un bon webinaire. Merci Eric. Tout d'abord, au nom de la FNEJ, je veux dire que nous sommes très heureux d'avoir l'occasion d'intervenir devant l'ensemble des IAE sur un sujet qui est assez naturel. Et donc, je remercie le réseau des IAE France, son président et l'ensemble de son staff de nous avoir offert cette occasion. Donc, aujourd'hui, je serai accompagné de 3 ou 4 personnes pour cette présentation. Donc, Géraldine Schmitt, Charles-Henri Besser-Dehort et Michel Kelika, qui chacun vous présenteront une partie des actions de la FNEJ en matière d'impact et valorisation, parce qu'en fait, assez naturellement, la FNEJ est sur ce sujet, puisque notre raison d'être en tant que fondation, c'est d'être au service des établissements, qu'ils soient IAE ou pas. De les aider à valoriser leurs actions, à mesurer leur impact, enfin, tout ce qu'on va pouvoir vous raconter. Donc, une bonne partie de ce qu'est la FNEJ est en fait fondée sur l'idée qu'il faut valoriser les établissements de gestion français et valoriser leur impact. Je vais donc commencer par vous présenter un certain nombre d'actions. Alors, certaines sont assez connues, ça va faire un petit peu catalogue par aspect. Ce que je vous propose, c'est que pour chacun des points, chaque intervenant, puisqu'on va se succéder, on ait une petite session de questions-réponses immédiates, ce qui n'empêchera pas de revenir à la fin, afin qu'on liste un peu les questions par sujet. Et donc, au départ, sur ce qui me concerne et ce que je vais présenter. Donc, ça, c'est moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait à la FNEJ en matière notamment de valorisation? Eh bien, on offre des prix. C'est-à-dire qu'on essaye de valoriser, de labelliser, et dans différents domaines qui sont en trait avec la recherche. Alors, tout d'abord, ça concerne les ouvrages de management, puisque la philosophie en la matière, et je viendrai sur d'autres points de cette philosophie, c'est qu'on offre des outils à la communauté pour apprécier la qualité ce que la ACSB appellerait les contributions intellectuelles des enseignants-chercheurs. Et ces contributions intellectuelles peuvent prendre plusieurs formes. Ça peut être des articles dans des revues académiques, ça peut être des participations à des colloques, ça peut être la production de thèses, ça peut être l'encadrement de thèses, ça peut être la production d'ouvrages. Et donc, en matière d'ouvrage, vous avez un prix qui est délivré conjointement par l'EFMD, donc notre homologue, mais au niveau européen, et la FNEJ, des meilleurs ouvrages de management. Donc, ce jury est présidé par la professeure Hélène Redeli-Weiss de l'IGR IAE de Rennes. Il s'est d'ailleurs réuni assez récemment, et vous avez dû voir, pour ceux qui sont sur LinkedIn, tout le monde qui postait pour avoir été labellisé par le collège scientifique, puisque les professeurs qui décident en sont une émanation. Donc, il y a 10-15 professeurs qui se réunissent tous les ans et qui, sur la base
des demandes des auteurs, labellise dans plusieurs catégories, donc ouvrages de recherche non collectif, ouvrages de recherche collectif, manuel de l'enseignement supérieur et essais. Donc, quatre catégories qui permettent de mettre en avant des travaux. Alors, comme c'est une labellisation, ça signifie qu'on fait des heureux et on fait des malheureux, hein, par définition. Et donc, une partie des ouvrages sont labellisés, une partie des ouvrages ne sont pas labellisés. C'est le principe même de ce type de fonctionnement. Et au sein de ces ouvrages, eh bien, on distribue aussi des prix en fonction de chacune des catégories, si on considère que dans chacune des catégories, il y a un ouvrage qui mérite un prix. Donc ça, première valorisation des contributions intellectuelles et de la production scientifique de nos collègues, cette labellisation des ouvrages, donc qui est un signal qui est donné à l'ouvrage, et ensuite, par-dessus, des prix qui sont attribués également à ces ouvrages. Deuxième type de production scientifique, des thèses, donc des thèses en sciences de gestion. Donc, nous délivrons un prix de thèse FNEJ, qui est le prix de thèse prix FNEJ de la thèse transdisciplinaire en management, donc, qui cette année est présidé par le professeur Nicolas Vanand de l'Université Paris-Dauphine, qui est en train de travailler. Contrairement à la labellisation, ce n'est pas terminé. Donc, j'ai vu que les présélections avançaient bon train très récemment, et donc on délivre un prix à cette occasion pour la meilleure thèse de transdisciplinaire en management. Et puis, en association avec l'ensemble des associations du collège scientifique qui délivrent leur propre prix de thèse, et ensuite un prix de thèse FNEJ qui est fondé sur des présentations en 180 secondes, le prix FNEJ de thèse en management, mais là qui se fonde sur les prix de thèse des différentes associations scientifiques. Toujours pour tenir compte de la palette varié des productions, eh bien, il y a un prix CCMP FNEJ de la meilleure étude de cas qui est présidé par la professeure Géraldine Schmitt de l'IAE de Paris, donc qui cumule plusieurs casquettes, puisqu'elle est aussi sur les études de cas, et ce prix est délivré en codélivrance avec la centrale des cas que nous connaissons tous pour l'utiliser pour de différents cas. S'il y a encore un peu de temps pour candidater, hein, puisque c'est tous les ans, et donc c'est jusqu'au 15 avril 2021. Je vous renvoie au site de la FNEJ si vous souhaitez avoir plus d'informations. Vous pouvez poser des questions aussi. Il y a Valérie Fourcade qui est avec nous et qui est la cheville ouvrière de l'ensemble de ces prix que tout le monde connaît et qui pourra aussi répondre. Enfin, nous avons un projet en cours qui est la labellisation des colloques. Donc, ce projet est conduit par le professeur Pierre Loire de l'IAEDLI sous l'égide du Collège scientifique de la FNEJ. Donc, l'idée, c'est justement, il y a le classement FNEJ dont je reparlerai, il y a les prix pour les ouvrages, il y a le prix pour l'étude de cas, il y a le prix de thèse. C'est d'essayer de couvrir aussi un autre aspect, c'est le fait de faire des communications dans les colloques. Et donc, nous avons un projet en cours de labellisation des colloques qui prendra une forme à peu près similaire à la labellisation des ouvrages, c'est-à-dire un jury, un collègue ou une collègue qui préside ce jury, entouré d'autres collègues, et qui, pour des périodes, la méthodologie n'est pas encore complètement arrêtée. Là, il y a un gros travail qui a été fourni par Pierre Loire et qui doit avancer dans les mois et les semaines qui viennent pour parvenir à une méthodologie précise, un dossier à déposer par les organisateurs de colloques. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas véritablement de se poser la question. Je vois Charles-Henri qui est là. Est-ce que le colloque de la GRAS mérite d'être labellisé ou pas? Ou est-ce que le colloque de l'AIMS ou le colloque de l'AFI ou le colloque de l'AFM? Il faudra faire un petit dossier, mais en gros, on connaît à peu près la décision finale. En revanche, il y a des tas de manifestations qui sont organisées de très bonne qualité par nos collègues, soit dans des domaines très sectoriels, soit dans des domaines très pointus, type workshop, et qui méritent également toute l'attention, parce que c'est parfois plus difficile de présenter une communication dans ce type de workshop que dans un colloque extrêmement reconnu. Et donc, c'est surtout pour aider ce type de manifestation qu'on a pensé, parce que
ils sont pas très connus. Donc, si vous avez personne qui connaît dans la commission d'évaluation dans laquelle vous êtes, cette manifestation, elle va passer à la trappe. Et puis, on sait de l'autre côté qu'il y a toute une industrie de l'organisation de colloques qui s'est montée avec des colloques qui n'existent que sur le papier. Il suffit de payer et vous avez la réponse comme quoi vous avez présenté votre communication, elle a été acceptée, d'ailleurs déjà présentée. Et en plus, vous avez eu un prix. Et donc, c'est aussi pour éviter que soient pris en considération des activités qui, elles, ne sont pas du tout scientifiques. Donc, voilà un peu l'objet de cette labellisation des colloques qui, d'ici la fin de l'année, devrait avoir un fonctionnement connu et où on pourra engager les procédures. Alors, je les ai mis, même si ce n'est pas directement de la valorisation de la recherche, mais comme néanmoins, il faut toujours considérer qu'il y a un lien entre l'impact et la valorisation et les activités pédagogiques. Il y a deux prix à orientation pédagogique, le prix ONEJ, donc notre partenaire FNEJ, du meilleur dispositif pédagogique à l'ère du numérique, hein, et labellisation, puisqu'il y a d'abord labellisation et ensuite un prix, sur le même modèle que pour les ouvrages. Et puis un prix CIDEGEF FNEJ AUF, c'est l'Agence de la francophonie, de l'innovation pédagogique en sciences de gestion. C'était juste pour rappel que vous ayez le panorama complet des prix et labellisations que nous offrons. Et puis, un prêt académique de la recherche en management, alors qui est géré par le Syntec Conseil en partenariat avec la FNEJ, où là, ça ne passe pas directement par nous, même si ce sont des collègues qui sont désignés par nous, qui participent au jury, qui vont choisir le meilleur article d'un point de vue professionnel produit par la recherche académique. Je pense que c'est une très bonne idée parce que ça permet de valoriser auprès de professionnels et des sociétés de conseil qui sont souvent des utilisateurs de nos travaux, même s'ils ne nous citent pas. Donc, ça permet de valoriser nos travaux en direction de cette profession. Et donc, c'est la 12e édition qui. Alors, je crois que là, c'est trop tard pour déposer. Donc, si vous êtes intéressé, ce sera pour la 13e édition. Et je crois qu'il y a eu, Valérie pourra me détromper, mais 130 collègues ou 130 papiers qui ont été proposés pour obtenir ce prix Syntec de la recherche académique au management. Et ça n'est pas indiqué ici, mais avec le Syntec Conseil, donc qui est en gros la chambre professionnelle des entreprises de conseil, pardon. Il y a aussi un prix du meilleur ouvrage qui est directement fondé sur la labellisation FNEJ, puisque pour obtenir ce prix du meilleur ouvrage, il faut avoir été labellisé par la FNEJ au préalable, dans le cadre de la labellisation des ouvrages. Et que 10 ouvrages, parmi ceux qui ont été labellisés, sont envoyés au Syntec, qui ensuite fait sa sélection sur ses critères du prix académique du meilleur ouvrage, mais fondé sur quelque chose qui a été tout d'abord préparé par l'ensemble des collègues au sein de la FNEJ. Alors, nous publions aussi, ça occupe une bonne partie de mon agenda ces derniers temps, un classement des revues. FNEJ, donc les revues scientifiques en sciences de gestion, avec deux catégories, les revues dites internationales et les revues dites issues de la communauté francophone. Donc, issues de la communauté francophone, c'est un terme qui a été longuement négocié. Ça veut dire qu'en gros, ça vient de quelque part de chez nous, mais ce n'est pas forcément en français, ça peut être en anglais, mais en revanche, une revue en française qui ne serait pas issue. Voilà. La prochaine édition, puisqu'il y a eu beaucoup de questions, donc ça me permet de le rappeler à la suite de la disparition du classement CNRS, la prochaine édition paraîtra en juin 2022. Donc en ce moment, il y a un travail au sein du Collège scientifique de la FNEJ qui vient d'être lancé au début du mois sur la méthodologie du classement. Et puis, la disparition du classement CNRS fait que ça a créé beaucoup d'émoi pour différentes raisons et du coup a attiré beaucoup d'attention sur le classement de la FNEJ. Beaucoup de questions se posent, notamment en termes d'impact. Tout à l'heure, Michel Calica pourra vous reparler des dimensions d'impact, c'est sans doute celui qui est parmi nous qui maîtrise le mieux cette dimension et qui a contribué à sa popularité.
Et donc, cette notion d'impact, doit-on la prendre en compte dans un classement de revues académiques? Donc, on a essayé de faire preuve de la plus grande transparence possible sur la procédure. Des documents circulent volontairement, c'est-à-dire que si vous les obtenez ou si vous ne les avez pas eus, vous pouvez les demander, on vous les donnera, sur comment va se passer la refonte de la méthodologie ou pas. Du classement FNEIGE. Ensuite, il y a un calendrier qui est tout à fait officiel sur le futur classement des revues. La seule chose dont je suis à peu près sûr aujourd'hui, c'est qu'il y aura un classement qui sortira en juin 2022. Ensuite, quelle va être la méthodologie exacte, quels seront les ajustements qui seront faits en termes de prise en compte ou pas de l'impact, de création d'un classement à côté qui serait un classement dédié à l'impact ou au développement durable. Là, rien n'est arrêté. Il y a beaucoup de discussions. Je suis effectivement très sollicité sur le sujet en ce moment. Mais j'ai souhaité que cette réflexion soit relativement transparente, même si c'est le collège scientifique qui, à la fin, tranchera sur ces décisions, qui est composé de 25 associations scientifiques. Ça ne changera pas. Le nombre, je ne sais pas, mais l'organe de décision. Et c'est le bon moment parce que, effectivement, la disparition du classement CNRS permet de se poser des questions au lieu de reproduire, comme par le passé, les procédures. Et c'est le bon moment de se poser des questions d'impact, comment on le prend en compte ou pas, et quels sont les différents avis sur la question qui, je dois vous l'avouer, sont assez partagés, même si, contrairement à ce que j'imaginais, mais on n'a pas encore pris de décision à cette heure-ci. Y a pas de, enfin, c'est plutôt consensuel, les débats. Alors, peut-être que les gens ont peur que c'est moi que je sois vraiment trop puissant sur le classement. Moi, je vous l'indique tout net, hein, ce n'est pas moi qui fais le classement, c'est le collège scientifique. Je suis là pour m'assurer que le collège scientifique fasse preuve de la plus grande objectivité possible sur la mise en œuvre du classement et que les résultats soient les plus objectivables possibles et les moins politiques possibles. Vous pouvez télécharger le classement actuel de 2019 si vous le souhaitez. En termes de publications, alors ensuite on a des publications qui permettent de valoriser la recherche qui est faite dans l'ensemble des écoles de management françaises. L'Observatoire annuel des thèses, donc, qui cette année a été conduit par la professeure Véronique Descarrés de l'IAE de Tours. On l'a sorti avec un peu de retard. Alors pour une raison simple, alors, je pourrais vous dire c'est à cause du Covid, pas vraiment. C'est pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est que on a énormément, énormément de mal à récupérer les informations des écoles doctorales. C'est-à-dire que pour pouvoir faire cet observatoire des thèses, nous avons besoin d'avoir les informations les plus exhaustives, complètes. Et je pense que c'est un outil intéressant qui permet de dresser un panorama de où se trouve la production doctorale française, quelles sont les tendances majeures en termes de domaine, en termes de thématiques. Et c'est un document très intéressant, téléchargeable sur le site de la FNEIGE, que je vous engage à télécharger et à lire si vous ne l'avez pas lu, parce qu'il comporte beaucoup d'informations importantes, mais qui n'est malheureusement pas exhaustif. Mais au bout d'un certain temps, on a décidé d'arrêter d'attendre. Parce que certaines écoles doctorales ne nous répondent pas. Et donc, si pour les éditions, puisqu'il y a une édition tous les ans, hein, donc là, on a quand même sorti début 2021 l'Observatoire des thèses 2019. J'aimerais bien qu'on sorte en 2021 l'Observatoire 2020. Donc, il faut que, si vous le voulez bien, vous puissiez convaincre vos responsables d'écoles doctorales respectifs. Respectives de répondre à nos demandes et de renvoyer les informations parce que sinon ça reste un document inachevé. En plus, ça retarde la sortie de l'observatoire puisqu'on laisse toujours une dernière chance. Notre objectif n'étant pas d'ignorer une école doctorale, mais au contraire de faire en sorte qu'elle soit toute présente
dans l'observatoire. Donc ça, c'est vraiment, c'est Maëlle Brumard qui, chez nous, avec la personne qui, cette année, Véronique Desgarais, qui fait l'observatoire, qui s'arrache les cheveux pour obtenir des réponses de vos écoles doctorales. Alors, je sais que dans certaines des écoles doctorales, vous avez un méchant économiste qui veut pas renvoyer à la FNEJ, mais néanmoins, si vous pouviez le convaincre ou la convaincre de renvoyer, ça serait bien. Enfin, nous publions des études ponctuelles. Alors, ce n'est pas le seul observatoire que nous avons, hein, mais nous publions des études complètes. Par exemple, Michel Kalika a produit en 2016 une étude sur l'impact de la recherche en management, qui est directement liée à la thématique de ce jour, et Michel Alboui de Grenoble et Alain Chamartinet de Lyon sur les programmes doctoraux de gestion en France à l'heure de la mondialisation en 2017. Donc ça, les études, c'est ponctuel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on décide à la FNEJ de faire une étude. Alors, en général, soit c'est parce que le ou la déléguée générale a une idée comme ça qui lui passe par la tête en se disant que ce serait bien de faire une étude sur le sujet. Première solution. Deuxième solution, et là je m'adresse à vous, c'est parce qu'on vient nous voir et on nous dit ça serait quand même bien qu'il y ait une étude sur le sujet pour notre communauté. Ou à l'occasion de conversations, ben ça on n'arrive pas à savoir. Donc si à un moment donné, vous avez des idées que vous voulez conduire vous-même ou pas, c'est-à-dire que vous pouvez aussi simplement avoir une idée et vous dire ça serait bien que la FNEJ le fasse, bah nous faisons des études régulières qui sont là pour répondre à des questions que se pose le secteur des écoles de management en France. Donc l'impact de la recherche en management, bah c'est parce qu'ils se posaient des questions sur l'impact de la recherche en management. Pour vous donner un ordre d'idée des études qui sont en cours aujourd'hui, on en a une sur l'enseignement de la gestion dans les établissements qui ne sont pas des établissements de gestion, donc les Sciences Po, les écoles d'ingénieurs, etc. On en a une en cours qui est sur comment, en gros, on calcule comment dire, la charge de travail d'un prof à l'ère du numérique, c'est-à-dire, et on voit bien que ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire qu'on est arrivé un peu au bout de l'heure de cours comme un instrument de comptage de notre charge de travail pour la dimension pédagogique. Hein, cette étude est centrée sur la dimension pédagogique, pas la dimension recherche. Et ça répondait à des besoins parce que, à la fois dans les écoles et dans les universités, on sent bien à un moment donné que les systèmes que nous avons d'heures par rapport à du numérique, à des cours enregistrés, à des cours à distance, à des cours en blended, ben, on est arrivé au bout du système. Alors, certaines écoles ont fait des avancées, certaines non. Et voilà. Donc, c'est un peu l'air du temps qui va déterminer les études. Et bien entendu, ben, nous, on est à l'écoute. Hein, si à un moment donné, alors ça ne veut pas dire qu'on dira oui, hein, mais vous pensez qu'il serait intéressant d'avoir une étude sur tel ou tel sujet, ben, si on pense que. Et puis après, un peu avoir consulté dans l'écosystème de la FNEJ. On sent qu'il y a une bonne réponse sur l'idée de faire une étude sur le sujet, ben à ce moment-là, on lancera l'étude. On ne peut pas en faire 15 par an, mais on en publie quand même 2, 3, 4 par an, y compris les observatoires. Donc voilà, donc ça, c'est aussi une activité qui est une activité qui est importante, qui est ponctuelle, mais c'est une espèce d'appel au peuple, ici au peuple des IAE, pour si vous avez des idées, sachant que normalement, une étude, elle est toujours cosignée par une personne côté universitaire, une personne côté école. Michel avait le don étant ambidextre, donc ça allait pour faire tout seul l'étude. Ensuite, nous proposons des formations à la recherche. Donc, il y a le programme CEFAG qui est coordonné par le professeur Hervé Laroche de l'ESCP et Géraldine Schmitt de l'IAE de Paris, avec ensuite les ateliers de Thésée que nous soutenons également, qui sont les anciens du CEFAG, qui ont une activité de réseau et de production et qui est en train de bien repartir ces derniers temps. Donc, je ne représente pas le CEFAG, une formation qui sélectionne
des thésards dans l'ensemble de nos établissements pour leur apporter des compléments d'information et une ouverture internationale dans le cadre de leur processus doctoral. En collaboration avec l'UPEC et coordonnée par le professeur Bertrand Urien de l'IAE de Brest, nous avons le doctorat en sciences de gestion en VAE, dont la cible principale est souvent des collègues, alors souvent en école, qui ont parfois un doctorat dans un autre domaine et puis qui ont déjà publié en gestion, eh bien d'obtenir, alors il y a beaucoup de cours hein, quand même, ce n'est pas juste un dossier de VAE, c'est aussi pas mal de cours et puis de la production pour ben, obtenir un doctorat en sciences de gestion. Et puis, nous avons des formations ponctuelles. Donc, alors là, je vous ai mis trois qui sont des trois formations ponctuelles qui, en fait, sont des formations récurrentes parce qu'il y a toujours du public, donc on les renouvelle. Donc, une formation sur l'habilitation à diriger des recherches et l'encadrement doctoral qui est coordonnée par la professeure Isabelle Martinez de TSM, donc Toulouse School of Management, IAE de Toulouse. Un sur de la recherche, intervention et publication qui est coordonnée par le professeur Laurent Capelletti du CNAM, donc là qui est plus sur une méthodologie de recherche et comment aller jusqu'à la publication avec ce type de méthodologie. Et puis un sur l'analyse qualitative de données qui est coordonnée par le professeur Stéphane Trébuc de l'IAE de Bordeaux. Après, il y en a d'autres qui ont trait à l'innovation et là, de la même façon que j'ai fait une sorte d'appel au peuple. Nous sommes prêts à envisager d'autres types de formations si on pense qu'il y a un public parmi les enseignants-chercheurs ou parmi les staffs des établissements. Ben on peut lancer, soit pour une fois, soit de façon plus régulière s'il y a besoin. Voilà. Donc, on peut faire aussi des webinaires, donc, comme vous le faites aujourd'hui dans le cadre du réseau IAE France. Là, on va sans doute aider les revues à obtenir des site scores, des impact factors. Donc, on organisera ou des formations ou des webinaires pour aider les rédacteurs en chef ou les rédactrices en chef des revues à obtenir ce type de reconnaissance internationale et donc à pérenniser et à augmenter leur ouverture internationale. Donc, voilà, différents volets pour commencer d'activités qui sont sans doute celles que vous connaissez le mieux. Et maintenant, je vais passer. Attends, non, je vais d'abord prendre vos questions si vous en avez. Je ne sais pas comment les questions sont posées. En revanche, ah bah oui, c'est dans conversation, voilà. Alors, dans conversation, je n'ai pas de questions. Alors, j'ai soit été très clair, soit très ennuyeux. Je vais considérer que c'est la première hypothèse qui est la bonne. Oui, on confirme. Tu confirmes La première. la... Très bien. Alors, je passe la parole et vous aurez quand même une chance au rattrapage à la fin, si vous souhaitez. Géraldine, c'est à toi. Oui, merci Jérôme. Donc moi, je vais vous présenter rapidement une autre action de la FNEJ qui contribue, je crois, assez largement à ces questions de valorisation et d'impact, puisqu'il s'agit de FNEJ Média. Donc FNEJ Média a été mis en place il y a maintenant 4 ans, si je ne m'abuse. En fait, dans le même esprit qu'un certain nombre des autres actions dont Jérôme vient de parler, puisqu'il s'agit toujours, et c'est au cœur de la mission de la FNEJ, finalement, de mettre en avant, de valoriser, de diffuser ce qui se fait dans les établissements, universitaires et écoles, toujours, en matière de recherche et aussi, on va le voir, en matière de pédagogie, de travaux éventuellement d'étudiants, etc. Et de les diffuser auprès du plus grand nombre. Donc, avec un système qu'on a retrouvé dans d'autres actions, qui est le système de principe de labellisation, hein, sur cette action FNEJ Média. Donc, l'idée, c'est de demander aux enseignants-chercheurs, essentiellement, de faire des vidéos de différentes natures et
La FNESH Media se présente sous la forme d'un site de vidéo, une plateforme de vidéo. Ce n'est pas une chaîne de vidéo, c'est plutôt une plateforme de vidéo avec un certain nombre de services annexes que propose la FNESH. Peut-être le slide suivant, Jérôme, parce que moi, je n'ai pas la main. Voilà, merci. Donc, ces vidéos, en fait, elles se répartissent en plusieurs catégories. Le premier format qui a été lancé, c'est le format vidéo recherche, donc qui repose sur un principe très simple, c'est vous publiez un article dans une revue académique classée, référencée dans le classement de la FNESH, eh bien vous pouvez faire une vidéo de 3 minutes maximum pour dire l'essentiel de cet article, et soit pour des personnes qui ont envie d'en avoir une synthèse, et soit pour donner envie de lire l'article, ou bien un ouvrage labellisé par la FNESH que vous mettez en vidéo, là aussi sur des vidéos 3 minutes, ou encore un papier publié paru dans un colloque, présenté dans un colloque, et donc la logique de labellisation des colloques peut être aussi intéressante pour ça d'ailleurs. Donc ça, ce sont les vidéos recherche. Alors avec en plus des catégories spécifiques au sein des vidéos recherche, par exemple les ouvrages primés, les auteurs d'ouvrages primés ou les meilleures thèses font systématiquement une vidéo, etc. Et puis on a des formats peut-être un peu moins classiques. Donc un qui est plutôt sur l'expérience pédagogique. Alors ici, on est dans le mois de la recherche des IAE, donc c'est un peu moins dans le sujet, mais innovation pédagogique sur le même mode d'une vidéo assez courte. Vidéo interview qui peut être une interview, par exemple, on a fait une série d'interviews de responsables de chaires de recherche dans les établissements qui permet de mettre en avant et de présenter ce qu'on fait dans une chaire de recherche thématique. Il y en a eu plusieurs de fait dans les IAE. Vidéo portrait qui est plutôt consacré à une interview d'un collègue émérite ou à la retraite en tout cas, et qui parle un peu de sa vision de l'enseignement et la recherche en gestion ou dans son domaine et de ce qu'il a fait en matière de recherche. Et puis, vidéo de tendance qui, là, s'appuie aussi sur la recherche, sur l'expertise en fait de l'enseignant-chercheur dans son domaine de recherche, mais qui n'est pas nécessairement liée à une publication précise et qui va développer sur un sujet plutôt d'actualité, d'où l'appellation de tendance. Voilà, donc ça, c'est les formats qui existent aujourd'hui avec, en gros, les vidéos recherche et tendance sont les plus nombreuses pour l'instant. Les vidéos pédagogiques commencent à bien se développer, et puis les vidéos interviews et portraits sont un peu plus restreintes en nombre, en tout cas. Et puis deux nouveaux formats qui sont lancés là tout récemment, qui sont des formats plus courts. L'un qui est Dico du management, donc on présente en 1 minute, 1 minute 30 un concept, un mot qui semble important dans le monde, dans le domaine du management, des sciences de gestion. Donc ça fait aussi par des enseignants-chercheurs. Et puis la dernière initiative, c'est de lancer une série de petites vidéos qui contribueraient à mettre en avant les travaux de nos étudiants, de vos étudiants dans les IAE et dans les écoles, à partir de leur mémoire de master, donc à partir de bons mémoires de master, mais pas nécessairement de master recherche, bons mémoires de master, donc en quelques minutes, présenter un résultat, un cas, une idée émergente d'un mémoire de master. Voilà pour les formats. Donc le principe, c'est que toutes ces vidéos sont complètement libres de droits, sont téléchargeables par tous. On peut les utiliser dans un cours, dans une session de formation continue ou dans une réunion, etc. Et bien sûr, au-delà de leur présence sur la plateforme de FNESH Media, on essaye, et chacun de nous s'y emploie, hein, de partager ces vidéos sur les réseaux sociaux, et ça contribue évidemment à démultiplier très rapidement le nombre de vues et d'utilisation de ces vidéos. Par ailleurs, il y a un support qui est la newsletter hebdomadaire de la FNESH et FNESH Media, donc il a aussi contribué à diffuser tout cela. Et puis,
Et puis, voilà, essentiellement, alors là, il y a une petite différence, c'est que, qui n'est pas forcément très connue, c'est que les vidéos recherches, en fait, sont possibles pour n'importe quel enseignant-chercheur, même si leur établissement n'est pas adhérent de Finage Media, alors que tous les autres formats et tous les autres services sont réservés aux adhérents de Finage Media. Et aujourd'hui, on a une vingtaine d'institutions adhérentes, dont un certain nombre d'IAE et universités et des écoles également. Et il y a aussi possibilité de, quand des institutions ont déjà des vidéos tournées, de les proposer pour Finage Media. Et donc, systématiquement, chaque vidéo reçue ou chaque proposition de vidéo fait l'objet d'un script. Et c'est ce script-là qui est… Enfin, il y a déjà une acceptation ou non d'un thème ou d'un sujet où on vérifie que la revue de l'article, par exemple, est bien classée, etc. Et puis, dans un deuxième temps, c'est sur la base du script vidéo qu'il y a un travail de fait. Et là aussi, comme le disait Jérôme, parfois on fait des heureux ou des malheureux, mais il nous arrive de refuser des scripts parce qu'ils ne correspondent pas du tout à la ligne éditoriale ou à un format tel qu'ils sont définis sur Finage Media. Et surtout, il nous arrive souvent de faire refaire ou réécrire un peu les scripts vidéo puisqu'il y a un peu un apprentissage finalement pour faire des vidéos qui passent bien, qui ne sont pas trop long, pas trop ennuyeuse, etc., etc. Donc, il y a ce travail-là qui est fait et l'équipe de tournage à la FNEJ, notamment, participe beaucoup à mettre en confiance les enseignants-chercheurs qui viennent tourner des vidéos et à améliorer le côté formel, en fait, qui ne s'improvise pas forcément. Voilà pour l'essentiel. Est-ce qu'il y a des questions ? Je n'ai pas de questions ni non. Dans réponse ni dans conversation. Okay. Peut-être ajouter que la vidéo Finage Media la plus dure, c'est la première. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois que vous en avez fait une, en général, les deuxièmes se passent beaucoup plus simples. Il y a un effet d'apprentissage de la vidéo, du script, du fait que c'est une écriture très différente de l'écriture d'articles ou simplement écrites. Et donc, il faut y passer au moins une fois. Une fois que vous êtes passé une fois, en général, les suivantes sont beaucoup plus simples. Voilà. Peut-être ajouter qu'en termes de partenariat, on a signé avec les Échos. Donc, on a maintenant les Échos, c'est arrivé déjà deux fois, donc je ne sais pas combien de fois ça arrivera, mais on a un partenariat officiel qui fait que les Échos choisissent, c'est eux qui choisissent, c'est pas nous, on leur envoie tout ce qu'on sort, et à un moment donné, c'est la rubrique management, c'est la rédactrice en chef management des Échos qui fait son choix, et à ce moment-là, l'enseignant-chercheur de l'établissement est contacté, un article, il est interviewé ou elle est interviewée sur le sujet, cité dans l'article, et la vidéo Finage Media est mise à côté de l'article. De la même façon, on a un partenariat avec The Conversation France qu'on vient de relancer parce qu'il était un petit peu tombé en désuétude sur le fait d'essayer de lier les publications dans The Conversation avec des vidéos Finage Media et de reprendre aussi dans des articles de The Conversation des vidéos de Finage Media. On avait la réunion des adhérents ce matin et puis on a une proposition pour une autre revue. On a contacté également Harvard Business Review France. Ça pourrait arriver, c'est le même principe qu'avec les Échos, c'est que si à un moment donné il y a une vidéo qui les intéresse, ils contactent et ils font un article sur leur site et ils mettent la vidéo en même temps que l'article qu'ils font après avoir contacté la personne qui a réalisé cette vidéo. Donc, comme indiqué, oui, la liste des membres de Finage Media est sur le site de Finage Media. Vous pourrez la retrouver. Donc, vous verrez, il y a à peu près moitié d'écoles, moitié d'IAE ou universités. D'évaluation de l'impact des écoles, aussi bien les grandes écoles que les IAE. Alors, Michel s'impatiente, à l'évidence. Donc, je vais bientôt lui passer la parole.
Voilà, donc n'hésitez pas, soit encourager votre établissement à adhérer, soit nous envoyer des vidéos recherche, enfin, des propositions de vidéos recherche. Elles seront bien entendu accueillies favorablement, moyennant leur qualité, bien entendu, mais je n'en doute pas. Il y a une question dans questions-réponses là sur la trame de documents de conseil. Oui, il y a quand vous émettez le souhait de faire une vidéo, alors vous pouvez trouver sur le site aussi d'ailleurs un ensemble de conseils. Et puis le meilleur conseil aussi, c'est d'aller voir quelques vidéos. Et justement, lors de la réunion ce matin, on s'est proposé, sur suggestion d'un des adhérents, de faire un peu une présélection de quelques vidéos qu'on trouve vraiment très bien dans chacun des formats pour que voilà, que vous puissiez voir ça et que ça vous donne une idée de la manière dont vous pouvez faire. Après, toujours dans cette même question, il se trouve que dans beaucoup d'établissements, maintenant, il y a une personne qui est plus ou moins chargée de ces questions de valorisation, notamment sur les formats vidéo. Donc, ça peut être aussi une solution de se tourner en complément vers votre établissement pour avoir éventuellement des conseils. Voilà. Voilà. Et après, on a une audience qui monte. Là, on a les chiffres, hein, qui sont sur le site d'ailleurs, parce qu'on ne cache Ouais. pas. On est beaucoup repris sur LinkedIn, etc., sur l'ensemble des vidéos qui sont. Et de plus en plus, un média, ça met du temps à s'installer. Et là, il y a un travail de fond qui fait qu'on retrouve parfois dans des endroits inattendus les vidéos de Fnej Media. Il n'y a plus de questions. Je crois qu'il y en a une troisième. Non. Non, je pense Non. C'était pas. merci, en fait, la Ouais. question. Donc, c'est bon. Bien, je passe donc la parole à Michel pour présenter l'activité d'impact et de mesure d'impact de la FNEJ en collaboration avec le FMD. Merci, merci Jérôme, merci Géraldine. La transition est toute trouvée entre les vidéos qui valorisent la recherche et la mesure de l'impact. Alors, BSIS, ben vous le savez tous, c'est à presque 10 ans, hein, c'est une idée de Pierre-Louis Dubois. Il y a une décennie, son objectif, son idée de départ, c'était de mettre en évidence l'impact des écoles, des IAE, des écoles de commerce sur leur territoire. Et dans l'idée de départ, il y avait un point qui était très important, c'est que c'est une démarche qui est différente des accréditations. On ne vérifie pas des standards. On cherche, avec un état d'esprit positif permanent, on cherche à mettre en valeur ce que fait un IAE pour son territoire, pour ses parties prenantes. Ce qui veut donc dire que, par opposition à des méthodes que l'on connaît d'accréditation, d'évaluation, on ne se focalise pas tant sur l'interne et le fonctionnement de l'institution, on se focalise beaucoup plus sur la contribution de l'institution à un certain nombre de parties prenantes. Aujourd'hui, BSIS a été utilisé par 54 écoles au plan international, comme l'indiquait Jérôme, en partenariat avec le FMD. Alors, BSIS, c'est cette dimension, et une de ces dimensions, c'est l'impact intellectuel, mais pour mémoire, BSIS, c'est une approche qui est globale, hein. On veut voir toutes les formes d'impact de l'IAE sur ses parties prenantes. Alors, c'est bien sûr l'impact éducatif, l'impact financier, l'impact sociétal, l'impact sur le développement des entreprises, en termes d'entrepreneuriat notamment, l'impact dans l'écosystème régional, parce qu'on sait très bien qu'un IAE sur son territoire fait vivre toute une série de structures, toute une série d'organismes. Un IAE participe dans les réunions de la Chambre de commerce, un certain nombre d'instances. Et c'est aussi un impact d'image, puisque beaucoup d'IAE ont dans leur nom le nom de la ville ou de la région, et donc ils contribuent par ce fait au développement de l'image d'un territoire. Et bien évidemment, dans ces 7 dimensions, il y a l'impact intellectuel. C'est bien évidemment un impact tout à fait, c'est une dimension qui est tout à fait importante, mais c'est une des 7 dimensions. Alors, Jérôme, on peut avancer vers la diapositive suivante, s'il te plaît, pour souligner que
cet impact intellectuel dans BSIS, il a une caractéristique, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre l'impact intellectuel de l'IAE, de la recherche au sein de l'IAE et de ses labos de recherche, dans différentes dimensions. Et on considère que l'impact intellectuel, ça n'est pas seulement l'impact académique que l'on va mesurer au travers des classements des revues dont il a été question il y a quelques minutes. L'impact académique, c'est pas seulement les H-index, l'impact factor des revues dans lesquelles on publie. Tout ça, bien sûr, est important, mais l'impact intellectuel dans BSIS, ça n'est pas que ça. On essaye également de mettre en évidence l'impact managérial et l'impact sociétal de la recherche. Et on va prendre en compte, et alors c'est là que le lien avec FNEJ Média est tout à fait clair, on va prendre en compte toutes les activités de dissémination, de traduction, terme que je préfère au terme de vulgarisation, des activités de recherche, de façon à avoir une large audience et à faire en sorte que les travaux de recherche produits par l'IAE soient diffusés, soient connus et génèrent de l'impact. C'est ce qu'on appelle de façon très très large un impact managérial et sociétal. L'idée étant que la recherche n'est pas seulement une contribution à notre communauté académique, mais que la recherche, elle vise aussi à une transformation des comportements des managers, des organisations publiques, privées. Et plus généralement, un certain nombre de collègues s'intéressent aujourd'hui, bien évidemment, aux questions de développement durable, de réchauffement climatique. Et il est tout à fait essentiel de montrer que ces chercheurs et les établissements dans lesquels ils se situent ont un rôle et qu'en fait, ils influencent, ils créent de l'impact donc sur ces parties prenantes. Et enfin, on peut souligner que dans BSIS, l'impact intellectuel, il est aussi appréhendé au travers d'un impact sur un territoire limité géographiquement. On sait que les IAE ont pour caractéristique d'avoir des territoires d'implantation, des territoires de prédilection. Et il est donc particulièrement important de mettre en évidence le fait que les chercheurs ont des contributions aux entreprises du territoire. Et donc, par exemple, les chaires qui sont parfois des chaires territoriales sont mises en évidence. Toutes les activités qui sont des activités de restitution des travaux de recherche auprès de managers, des petits déjeuners recherche, des journées recherche ouvertes aux managers, ainsi de suite, toutes ces activités-là sont mises en évidence parce qu'elles démontrent très clairement que l'impact de la recherche menée dans les IAE n'est pas seulement un impact sur les collègues, c'est aussi un impact sur les entreprises, sur les organisations et plus largement sur notre société. Et donc, il y a ces trois dimensions qui sont importantes, ce qui signifie donc qu'on a toute une série de questions, alors des questions très traditionnelles, bien évidemment, sur les publications, mais parfois, on déstabilise un peu les directeurs de la recherche en leur demandant, mais quelles sont les publications qui sont en relation avec les entreprises du territoire? Quelles sont les publications qui ont un impact managérial et sociétal? Et puis, on pose des questions également sur toutes les activités de dissémination de la recherche, de diffusion de cette recherche, donc ce qui est tout à fait important. Alors, ça peut passer également par des relevés, des conférences, des relevés concernant les vidéos. FNEJ Média en est un exemple. Et toutes ces activités, Jérôme, on peut conclure avec la dernière diapositive. Toutes ces activités visent en fait à intégrer trois dimensions de l'impact intellectuel. Et c'est ce qui fait, nous semble-t-il, l'originalité de BSIS. C'est à la fois de prendre en compte l'impact académique traditionnel, de prendre en compte l'impact managérial et sociétal sur un plan très global, indépendamment du territoire. Et puis, comme les IAE, comme nos institutions sont localisées géographiquement, de prendre en compte un impact qui est aussi un impact territorial. Il est bien évident que lorsqu'une institution est soutenue par un certain nombre de partenaires locaux, il est important de démontrer qu'il y a une forme de retour intellectuel sur ces partenaires locaux. En fait, on pourrait dire que BSIS contribue à répondre à la question de
qui est « Mais à quoi sert la recherche en management ?» Et à cette belle question qui va mobiliser les énergies du conseil scientifique et du délégué général de la FNEJ, la réponse est que la recherche en management, elle ne vise pas seulement à être un outil de gestion des ressources humaines de notre communauté. La recherche en management, elle ne vise pas seulement à être un outil d'accréditation, même si on sait tout ce que les accréditations sont importantes. Non, la recherche en management, elle vise à produire une contribution, un impact sur les personnes, sur les managers, sur leurs organisations et plus généralement sur la société. Voilà donc en quoi BSIS est un outil de valorisation, hein, puisque c'est le libellé de ce webinaire, un outil de valorisation de la recherche réalisée par les IAE. Merci. Merci Michel. Donc, je ne vois pas de questions. Alors, pourtant, j'avais fermement indiqué à un certain nombre de personnes de poser des questions, puisque moi, je ne crois plus depuis très, très longtemps à la spontanéité. J'ai même envoyé des textes de questions à une dizaine de collègues dans les IAE, et il y aura des mesures, hein, c'est évident. Ils viennent de s'en rappeler. Donc Valérie Plapelazzo de l'IAE de Lyon, c'est un hasard. IAE Lyon. Comment mesurer les impacts managériaux et sociétaux de la recherche et des outils ? Oui, alors c'est pas une question que je me serais posée à moi-même, hein, parce que la réponse elle est compliquée. Hein. Mais c'est pas parce que la réponse est compliquée qu'il faut pas le faire. Hein. Bien sûr que c'est compliqué de mesurer l'impact managérial d'une recherche. Hein. Il est beaucoup plus facile de mesurer l'impact académique sur notre communauté avec de la bibliométrie que de mesurer un impact managérial, parce qu'on sait très bien que ces impacts managériaux, ils sont pas immédiats, ils s'inscrivent dans le temps, ils peuvent passer par des intermédiaires, par des consultants, ils peuvent prendre toute une série de formes. Mais je crois que ce qui est important, c'est au moins de fixer l'objectif, de se dire on ne va pas en rester à la mesure de l'impact académique, on va aussi essayer de mesurer l'impact managérial et sociétal. Et là, on va utiliser des proxys, hein, j'en ai cité un certain nombre. Hein. Le nombre de fois où une vidéo FNEJ Média a été vue, eh bien, ça peut être une forme de proxy. Le nombre de fois où un prof d'un IAE est cité dans la presse régionale, dans la presse nationale, dans les échos, c'est une autre forme de proxy. Le nombre de personnes qui suivent le blog de ce professeur et qui relaient ses tweets, c'est une autre proxy. Donc, moi, je crois qu'on peut définir un certain nombre d'indicateurs qui permettent d'avoir une approche globale de ce qu'est l'impact managérial et sociétal d'un collègue. Alors, on avait à Lyon défini une méthodologie plus qualitative où on prenait chaque papier de recherche et on essayait de voir s'il y avait eu un impact sur les parties prenantes. Mais ce sont des méthodes qui sont plus longues, plus lourdes. Voilà. Pas de solution facile, mais ce n'est pas parce que le problème est difficile qu'il ne faut pas le poser. Merci Michel. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? J'en vois pas. Je suis quand même surpris parce qu'il y a 9 IAE à qui j'avais envoyé des questions qui ne se manifestent pas là. Alors que ce n'est pas possible ça. En revanche, on te dit merci. Voilà, c'est bien. Très bien. Écoutez, on fera une dernière, de toute façon, session de questions-réponses, donc on pourra y revenir. Je vais donc passer maintenant la parole à Charles-Henri Besser-Dehaut, qui va vous présenter sans doute une des activités les moins connues de la FNEJ en matière de valorisation, qui est la valorisation qui est plus récente et qui doit beaucoup à Charles-Henri, qui a beaucoup œuvré pour son développement récent avec la création et à mon prédécesseur Maurice Thévenet. Pour le cercle des entreprises et d'autres activités que nous avons pour justement améliorer les liens qu'il y a entre les chercheurs, je dis bien les chercheurs, puisque enseignants-chercheurs, même si la plupart sont aussi enseignants, mais c'est au titre de leur activité de recherche, et les entreprises. Charles-Henri, c'est à toi. Merci Jérôme.
Effectivement, alors Jérôme, tu dis que c'est une activité récente. Alors tu as parfaitement raison, puisque avec Maurice Thévenet, que j'ai aidé, entre guillemets, dans sa mission de délégué général sur le plan des relations avec les entreprises depuis en fait 2016, nous avons commencé par réfléchir à la façon dont on pouvait aborder ce monde bizarre des entreprises. Parce que curieusement, et c'est ça qui est intéressant, la FNEJ a quand même été créée par un certain nombre d'organisations, dont des entreprises quand même. Il faut se rappeler que, notamment, je pense au groupe Lafarge, il y avait des entreprises très présentes. Et puis, au fil du temps, c'est un peu un constat, hein, et encore une fois, c'est la vie des organisations, hein, puisque je vous rappelle que la FNEJ a 52 ans quand même, hein, bientôt 52 ans, créée en mai 68, puisqu'il y a deux ans, un peu plus de deux ans, on avait fêté notre anniversaire, en fait, on a vu un peu se délier les liens avec les entreprises, ce qui a été un petit peu curieux, puisque dans une fondation qui s'appelle Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion des entreprises, et je rejoins ce que disait Michel, c'est qu'évidemment, il y a un enjeu clé en matière d'impact, qui est l'impact managérial. Donc, on a essayé au début, et ce n'était pas facile. Honnêtement, ce n'était pas facile, parce qu'on a essayé avec une démarche qu'on avait appelée des projets, alors un certain nombre de projets. Et quand je rencontrais les entreprises, puisque en fait j'ai joué un rôle qui m'est finalement jamais arrivé dans ma vie, qui était un peu de vendre sur le terrain des organisations, rencontrer de belles entreprises, on s'est rendu compte d'abord que le nom de la FNEJ n'était pas réellement connu. Pour être très très franc, il y avait pas une grande, il y avait certaines entreprises qui avaient eu un lien historique et qui quand même connaissaient au moins le nom, mais quant aux activités, il y avait beaucoup de questionnements. Alors, j'ai d'abord fait de la communication, Jérôme, tu vois, c'était d'abord communiquer. Et puis après, on s'est dit, il faut rendre la relation entre la FNEJ et les entreprises, la rendre encore plus tangible. D'où l'idée de la création du cercle, effectivement, tu as raison, Jérôme, il y a à peu près environ deux ans, hein, donc plus récent que FNEJ Média, Géraldine, puisque tu disais que c'était que 3 ou 4 ans. Et du coup, on a essayé de voir avec certaines entreprises qui avaient des relations un peu plus, je dirais, intimes avec la FNEJ, et je pense à BPI France, je pense à Médiamétrie, vous voyez, dans le nom des entreprises que vous avez sur le... Et puis PwC, d'ailleurs, Jérôme, c'est toi qui vas parler du slide de PwC juste après. Et donc, on a bâti d'abord autour de ce petit noyau. Et puis, progressivement, on a agrandi le cercle. Alors, nous sommes à 10 entreprises. Alors, je dois vous avouer que depuis un an, c'est un peu plus compliqué. Hein, parce que l'écoute relative des entreprises quand même a diminué, non pas qu'elles ne soient pas intéressées pour entrer dans le cercle, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de questions liées à la pandémie pour lesquelles les chercheurs dans nos écoles pourraient apporter des réponses très très intéressantes, mais c'est vrai qu'elles ont été un peu moins, je dirais, à l'écoute, plus très compliqué de prendre des rendez-vous, ne serait-ce que pour des raisons sanitaires, parce que ça suppose quand même des contacts directs, et c'est vrai que ma population, compte tenu d'un petit peu de mon profil, ma population privilégiée reste quand même les DRH groupes, hein, donc et quelquefois des DG, mais c'est vrai que c'est cette population. Donc là, il y a eu un peu plus de difficultés. On est en train de renouer progressivement les liens, et j'espère, et je le dis devant le délégué général, j'espère qu'on arrivera à une quinzaine d'entreprises avant l'été. Hein. Donc, avec un peu de chance, les choses devraient être… Alors, quand on présente le cercle, et là, il y a les objectifs qui sont écrits, hein, rapprocher le monde académique et le monde professionnel et utiliser la recherche en management comme levier d'innovation, j'allais dire, de façon très concrète, ce qu'on dit aux entreprises, c'est évidemment l'un des intérêts de faire partie de ce cercle, et qui, entre vous et moi, est d'un coût très modeste. Hein. Pour Michel, c'est à peu près de l'ordre de deux journées de conseil dans un cabinet standard, quoi. Donc, il faut relativiser les choses. Quand j'ai entendu certaines entreprises me dire « Ah, bah, écoutez, je ne sais pas si on va pouvoir mettre cette somme. Hein. » Quand on parle de 5 000 euros par an, il ne faut quand même pas exagérer. Hein. Quand je vois les tarifs que facturent certains des grands cabinets en stratégie, hein, ce n'est même pas une journée complète. Donc, vous voyez ce que je veux dire. On se retrouve quand même avec un investissement limité. Mais ce qui est très intéressant, c'est un, les entreprises peuvent bénéficier d'une information
à jour. Et grâce d'ailleurs, Géraldine, évidemment, avec FNEJ Média, parce qu'elles ont accès évidemment à des vidéos des chercheurs. Donc, on a un accès aux dernières tendances de la recherche. Et donc, ça, c'est très important. Et un aspect, on va le voir sur le slide suivant, très concret de cette relation, c'est qu'on a fait intervenir des collègues. Hein, vous voyez, alors c'est vrai qu'il y a une tendance, Jérôme, tu me corrigeras, mais plutôt à être plutôt orienté management et RH dans les premières demandes. Parce qu'en fait, on fait un sondage, on demande aux entreprises membres du cercle quels sont les sujets qui les préoccupent. Et vous voyez, il y a eu les organisations syndicales avec Rémi Bourguignon, le professeur Rémi Bourguignon, le télétravail, personne ne sera surpris par cette question avec Emmanuel Léon, les nouvelles pratiques de travail, anciens modes de management, ça c'était très intéressant, un peu provocateur, je dois vous avouer le titre, mais je crois que ça qui a beaucoup intéressé avec François-Xavier de Vaugénie. Et nous allons avoir dans quelques semaines entreprise à mission entre gadgets et gageurs avec Pierre-Yves Gomez, que tout le monde connaît, hein, professeur à l'EM Lyon. Donc voilà les premiers éléments. Et nous aurons d'autres séminaires. Alors on les tient en général, de webinaires, je veux dire, on les tient en général le matin assez tôt pour pouvoir mobiliser les représentants des entreprises, et en fait, ça fonctionne bien. Enfin, je parle sous le contrôle de Jérôme, qui a assisté, je crois, à tous ces séminaires. Alors, je les anime pour mettre un tout petit peu de lien, et en général, ça se passe de la façon suivante, c'est à peu près une trentaine de minutes d'intervention de l'intervenant, et ensuite, sur un jeu de questions-réponses, je commence les questions-réponses, c'est pour éviter le trou blanc qu'on vient d'avoir, là, et puis ensuite, ça s'anime, je veux dire, ça s'anime toujours. Donc voilà un petit peu les. Donc il y a ce lien avec les chercheurs, les derniers travaux de la recherche. Ensuite, il y a très concrètement également, on propose d'établir des liens et de les renforcer avec des spécialistes et intervenants. Donc quand ils ont un besoin spécifique, les entreprises ont un besoin spécifique en marketing, en finance, en ressources humaines, en RSE, on a possibilité de mettre en lien, on joue un peu le rôle de hub en quelque sorte, hein, et donc sur des sujets qui peuvent intéresser les entreprises pour intervenir dans une formation, dans une conférence, etc., sans être concurrent des institutions et des écoles, je le dis tout de suite. Hein, donc on est juste. Et puis le dernier intérêt pour les entreprises qui sont membres, c'est sur des problématiques actuelles, monter des projets spécifiques en collaboration avec ces entreprises. Et je vais laisser Jérôme parler du partenariat qui a été créé avec PwC. Donc voilà un peu, si vous voulez, le résumé. On espère qu'on augmentera le nombre d'entreprises. J'ai bon espoir, je vous dis, d'en avoir 4 ou 5 d'ici l'été, parce que les choses commencent à rebouger. Il suffira d'être vacciné, hein, de toute façon, hein, c'est tout. Je veux dire. Peut-être pas avec l'AstraZeneca, mais d'avoir la capacité, parce que les entreprises ont quand même été très, très, très focalisées, surtout les DRH, par les urgences. Hein, et donc, venir leur parler des relations avec la FNEJ, c'était juste un peu compliqué, même si ils sont toujours à l'écoute, une écoute bienveillante. Hein. Et donc, je te laisse, Jérôme, peut-être parler de l'action concrète avec PwC. Hein. Oui, parce que merci, Jean-Henri. Parce qu'en fait, les entreprises, quand on choisit un collègue pour aller parler devant les membres du cercle de l'entreprise, le mot d'ordre, c'est présenter les derniers résultats de la recherche. Hein, donc, c'est vraiment en lien avec aujourd'hui et de le rendre intelligible. Donc, c'est une sorte de FNEJ MEDA ou de The Conversation sous la forme d'un webinar avec échange. Avec les entreprises, et je crois qu'elles ont pas mal apprécié parce qu'elles viennent pour avoir des idées, elles se demandent est-ce qu'on a des résultats. Alors sur les sujets que vous voyez, forcément ils sont très intéressés pour savoir qu'est-ce qu'on pense du télétravail, est-ce qu'il y a des études internationales qui montrent comment il faut faire, des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on a eu beaucoup de demandes de cette nature, et ce que je vais vous présenter maintenant, c'est la même chose. Alors, comme l'indiquait Charles-Henri, après, s'ils veulent faire plus avec un des intervenants, ça se passe ensuite entre l'intervenant, son institution et l'entreprise. La FNEJ aura servi de passerelle, mais n'est plus concernée. Oui, les institutions aussi. Hein, je veux dire, les institutions aussi. Hein, donc, ce n'est pas uniquement une relation individuelle, c'est ça que je veux dire. Alors, on peut faire aussi des choses spécifiquement pour des membres du cercle. Donc là, on a quelque chose en ce moment qui nous mobilise pas mal.
qui est très intéressant, qu'on fait en partenariat avec Price et l'Institut de l'entreprise. Donc, ils ont une réflexion sur l'entreprise qui s'appelle Entreprise post-RSE 2030 et chemin de la confiance. Donc, globalement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'ils réfléchissent à ce que seront les fonctions en 2030 qui intégreront pleinement la dimension RSE et quels seront les profils des personnes qui occuperont les postes dans ces fonctions. C'est-à-dire à quoi ressemblera un directeur financier ou une directrice financière en 2030, à quoi ressemblera une directrice marketing ou un directeur marketing en 2030 et pourquoi son profil sera-t-il différent de celui d'aujourd'hui en intégrant la dimension RSE. Donc, comment ça fonctionne? En fait, chez Price, ils ont ce qu'ils appellent un Experience Center. Alors, en ce moment, il est virtuel, mais au départ, on a commencé en physique au mois de septembre, où ils réunissent pour une grosse matinée, ça dure 4 ou 5 heures, des dirigeants d'entreprise. Donc, alors, si c'est l'atelier, par exemple, marketing, il y aura beaucoup de directeurs et directrices marketing qui seront d'entreprises soit très grosses, donc vous pouvez avoir dans la même pièce la directrice marketing ou le directeur marketing de L'Oréal et puis le directeur ou la directrice marketing d'une start-up de 10 salariés et des personnes de chez Price qui font l'animation ainsi que de l'Institut d'entreprise et trois académiques qui sont spécialistes du sujet. Et à partir de là, ils ont tout un système des trois mondes où les gens réfléchissent en groupe. Donc, c'est une espèce de séance qui est très préparée à l'avance, d'émergence d'idées, de brainstorming, pour faire émerger des idées et qui marchent visiblement très bien, parce qu'en général, tant les académiques que les responsables d'entreprise et aussi de Price et de l'Institut d'entreprise sont en général ravis de ce qu'ils ont appris, fait et continuent à faire des choses après. Je sais que à la suite de certains des ateliers, notamment en marketing, ils vont reproduire ça auprès des étudiants dans les écoles ou les IAE des représentants académiques pour faire aussi émerger des idées et voir avec les jeunes. Les plus jeunes, on va dire, ce qu'ils pensent du sujet. Donc, on a déjà tenu ça en ressources humaines. Il va y avoir aussi des livrables, parce que bon, il y a Price, donc il y a aussi un peu quelque chose à vendre à la fin, même si ça ne sera pas directement quelque chose de monétaire. Et donc, ils vont livrer on va faire des vidéos, notamment peut-être Fnège Média, sur les principaux enseignements, sur les compétences attendues en 2030, sur les profils attendus, sur les métiers. Donc, on est là très orienté côté académique sur un peu l'émergence de nouveaux métiers. Et tout ça nourri par les résultats de la recherche, puisque quand je contacte des collègues académiques pour participer, la feuille de route qu'il leur est donnée, c'est vous êtes là pour dire un peu, vous êtes censé avoir de l'avance en termes d'idées sur ce que font les entreprises aujourd'hui. Et donc, vous allez devoir, à l'occasion de ces ateliers, faire état des derniers résultats de la recherche sur le sujet et en quoi les entreprises pourraient s'emparer des résultats de la recherche pour faire évoluer leurs pratiques. Alors, comme je le dis, pour essayer de convaincre les collègues, qui sont en général pas très difficiles à convaincre compte tenu des interlocuteurs qu'ils vont avoir, c'est pour une fois qu'on nous demande notre avis sur comment il faut gérer les entreprises, c'est bien qu'on le donne et qu'on participe à cette démarche qui est une démarche prospective. Donc, ça s'est déjà tenu en ressources humaines, ça s'est tenu en marketing, ça s'est tenu en système d'information. La semaine prochaine, c'est finance. Et puis, on va avoir au cours de l'année, je pense d'ici juin, on va avoir communication, on va avoir un atelier sur les administrateurs, enfin sur le conseil d'administration, sur les risques et sur la recherche et innovation. Et tout ça donnera lieu ensuite à différents types de publications, aux vidéos, aux papiers, etc., qui sera le fruit de cette réflexion commune entre des praticiens et des chercheurs, puisque c'est vraiment on demande de valoriser nos connaissances pour participer à cette démarche prospective. C'est pour ça qu'on a répondu présent, même si c'est assez consommateur, puisqu'il faut à chaque fois trouver trois collègues pour chacun
pour chacun des ateliers. Donc, à la fin, j'aurais en quelque sorte été le fournisseur de 15 collègues ou 20 collègues pour ces ateliers. Donc, que je dois sélectionner selon des tas de critères aussi de compatibilité avec les demandes et les sujets exacts qui vont être abordés, et puis en fonction de leur avis et de leurs compétences. Donc, souvent, je sollicite quand je n'ai pas d'idée ou quand j'en ai, mais quand je n'en suis pas très sûr, les patrons, les présidents d'associations académiques pour me dire sur ce type de sujet, quelle personne pourrais-tu me recommander pour participer à ces ateliers. Jusqu'ici, on ne s'est pas trompé parce que je n'ai pas eu de retour du style qui nous avait envoyé des gens là, c'est pas possible. Pas du tout, au contraire, ils ont toujours été ravis de toutes les personnes qui ont participé jusqu'ici aux différents ateliers. Donc ça, je pense que c'est très utile. On essayera de le répéter. C'est dans la lignée du cercle de l'entreprise. D'ailleurs, c'est un produit dérivé du cercle des entreprises de la FNERJ. Et donc, tout ce qu'on pourra faire, nous, pour mettre en contact des chercheurs avec des entreprises sur un aspect réflexif de cette nature, on le fera. Donc, ça, c'est deux exemples. Il y en aura sans doute d'autres à l'avenir. Et tout ça devant contribuer, in fine, à l'impact managérial de nos recherches, puisque ça permettra des évolutions des pratiques. Donc, on diffuse, je ne sais pas, ces idées de différentes façons, au travers de FNEJ Média, au travers de la mesure de Michel, des mesures de Michel, au travers des activités du cercle des entreprises. D'ailleurs, juste Jérôme, je ferai le complément. C'est pas neutre que ce soit PwC qui est engagé avec l'Institut de l'entreprise, cette action. On attendrait un peu plus aussi de proactivité d'entreprise, on va dire, plus normale, plus standard. Donc, on essaye de les solliciter pour leur dire qu'elles ont accès à beaucoup de sources, d'informations, et même y compris Géraldine, sur les vidéos. Tu vois. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a un travail de maturation de la relation, on va dire, mais qui est quand même très qualitatif par rapport à ce qu'on a par ailleurs. Voilà, écoutez, si vous avez des questions. Alors, je ne vois pas de questions. Alors, simplement, il y a Michel qui veut me poser une question. Oui, tu m'as demandé de te poser cette question, Jérôme. Comment vas-tu intégrer l'impact managérial des recherches des IAE dans le prochain classement de la FNEJ, puisque la disparition du classement de la section 37 est quelque chose de formidable, de bienvenu, qui valorise le classement de la FNEJ, et c'est toute une opportunité aussi pour remettre un peu les choses à plat, sans que ce soit le grand soir et la grande révolution, c'est l'opportunité pour faire évoluer les choses, parce que en 2021, la situation n'est pas la situation du siècle passé. Très bonne question, Michel. Donc, tu m'avais communiqué avant. Hein. Oui, voilà. Donc, l'impact est sur la table. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la phase réflexive où on a lancé les opérations pour le classement. Aujourd'hui, le classement est fondé essentiellement sur une dynamique traditionnelle d'impact académique. Matinée de lobbying francophone. La question de comment on prend de l'impact, est-ce qu'on mélange l'impact, les impacts sociétaux, pour essayer d'englober à peu près tout, avec l'impact académique, alors génère des réactions variées. Du style, on ne peut pas mélanger les torchons et les serviettes. Hein, donc ça, c'est une,
une première sorte de réaction. Une deuxième, c'est bien, mais moi j'aimerais bien qu'on parle surtout du handicap, ou j'aimerais bien qu'on parle surtout de la diversité, ou j'aimerais bien qu'on parle surtout de l'égalité professionnelle, ou j'aimerais bien qu'on parle surtout de... Enfin, à peu près, après, chacun a son hobby, son biais personnel. À ce jour, sachant que ce n'est pas moi qui vais décider, hein, c'est le collège scientifique, même si je suis force de proposition, mais pas de décision sur le sujet. Moi, mon rôle est de m'assurer qu'il y ait une décision qui soit prise, et elle sera prise. Ceux qui ont travaillé avec moi savent que je ne vais pas faire durer les dossiers. Par exemple, pour essayer de matérialiser ce que pourrait être une prise en compte d'impact, parce que je dis il va falloir des choses que je puisse répliquer, mesurer, etc. Il y avait le pourcentage de papier consacré au changement climatique pourrait donner lieu à un bonus pour les revues. Voilà, en disant, changement climatique, ça ne fait plus trop débat. Si jamais on n'a plus de planète où habiter, le handicap, la diversité, l'égalité homme-femme seront le cadet de nos soucis. Donc, alors, la réponse est un peu facile, hein, comme j'en ai bien conscience. Le but, ce n'est pas forcément que ce critère soit adopté, c'est que j'avais envie que les gens réfléchissent, donc que tous les présidents d'associations doivent revenir vers moi pour le 15 mai en proposant ce qu'ils veulent, quoi. C'est-à-dire que le truc est ouvert. Pour me dire, il faut pas, si on fait, comment on fait, et j'ai beaucoup insisté sur le fait que il fallait que objectiver cette mesure de l'impact, et que ça n'allait pas pouvoir être la sélection des hobbies des différents présidents d'associations académiques. Alors, une autre, à force de discussion, parce que là, je passe une bonne partie de mon temps en réunion pour présenter la nouvelle procédure, rencontrer les associations qui veulent me faire part de leur avis. Ce qu'il est possible, c'est qu'à un moment donné, on dise on n'arrive pas à mélanger l'eau et l'huile, c'est-à-dire que l'impact académique mélangé avec les autres impacts, on n'arrive pas à le mélanger dans un même classement. Donc, ce que je vois arriver, sans être sûr que ça se produise, c'est que j'ai commencé à tester l'idée sur 2-3 personnes, c'est de dire, on va par exemple prendre les revues qui sont classées académiquement 1 et 2, soit HCERES, soit FNEJ. Bon, HCERES, ça permettrait d'avoir aussi des revues d'économie. Et celles-là, on va les reclasser. C'est-à-dire qu'on va, ça va juste être, définir notre univers. Et là, on va les mesurer par rapport aux 17 objectifs des Nations Unies. C'est-à-dire qu'on va prendre les SDG 17, et puis on va faire un classement des classements en disant, ben voilà, on apprend. Parce que le faire sur toutes, c'est juste pas possible. Ça fait trop de revues. C'est trop long. Je vais trouver personne pour le faire, quoi, en résumé. Donc, on va prendre celle en haut. Alors, il y a un côté discrétionnaire ou injuste ou tout ce qu'on veut. Enfin, première étape. Et à ce moment-là, celles-là, on les prend. Donc, ça fera peut-être une centaine de revues, ou enfin, environ une centaine de revues. Donc, ça fait un univers qui est gérable. On va prendre les 17 objectifs des Nations Unies et on va trouver une méthodologie pour mesurer. Donc là, il y aura toute une commission à monter qui va travailler pour trouver à chaque fois comment on fait pour apprécier leur performance. Voilà. Donc, du coup, on ne mélangerait pas l'huile et l'eau. Donc, la dimension académique serait traitée. Voilà. Et on aurait à côté ceci qui recréerait et qui serait utilisable, parce que, certes, un classement, c'est un outil politique. Il ne faut pas se le cacher. C'est-à-dire que le classement FNEJ est un outil politique. C'est un outil politique au sens où on favorise les revues françaises. Voilà. C'est aussi clair que ça. Enfin, c'est ça. Principalement, s'il y avait que les revues internationales dans le classement FNEJ, d'une certaine façon, on ne servirait pas à grand-chose. On reproduirait des classements qui existent déjà ailleurs ou des indicateurs qui existent déjà ailleurs. Donc, on peut apporter quelques petites choses, mais enfin, ce n'est pas là où ça se joue. C'est qu'en fait, on préserve et on pousse
l'existence de revues issues de notre communauté et le fait que ces revues puissent publier, y compris en langue française, mais pas nécessairement, des recherches de qualité, donc que nos spécificités puissent s'exprimer et être reconnues. Donc ça, c'est la dimension politique du classement Schneige. Ensuite, un classement, c'est un outil. Et c'est un outil qui, alors, bien qu'on doive être conséquent, mais c'est un outil qui doit être utilisé par ceux qui en ont l'usage. Alors, ceux qui en ont l'usage, c'est le CNU, c'est LCRES, c'est les directeurs académiques dans les écoles qui s'en servent pour les politiques de promotion, d'incitation, etc. Et tu l'as dit dans un article, je l'avais dit aussi dans une présentation que j'ai faite devant l'IFSAM récemment, il faut qu'il y ait un alignement entre, et ça rejoint ta démarche en termes d'impact, il faut qu'il y ait un alignement entre la stratégie de l'établissement et la façon dont elle mesure les résultats de sa recherche. Or, aujourd'hui, on constate quand même un désalignement à peu près généralisé, je l'ai dit à un moment donné là devant l'IFSAM, qui a exactement ce type de réflexion. L'IFSAM, pour ceux qui ne connaissent pas, ça réunit les principales associations au management international. Donc là-dedans, vous avez l'Academy of Management, la British Academy of Management, la Brazilian Academy of Management. Pour la France, il y a l'AIMS et la FNEJ. Vous avez la Népalaise, vous avez deux Chinoises, vous avez une Tunisienne. Enfin, voilà. Puis c'est en train de... il y a EURAM aussi qui est dedans, etc. Et donc, il y a une série de webinaires que je vous conseille en ce moment. Il y en a 5, il y en a déjà 2 qui ont eu lieu, il y en a encore 3. La première, c'était avec Andrew Jack, puisque le démarrage de ceci, c'est le fait que le Financial Times, qui produit un classement des 50 meilleures revues dans notre domaine, a lancé une espèce de sondage auprès de tout le monde pour savoir est-ce que c'est les bonnes et est-ce qu'on ne devrait pas changer les critères. Donc là, une vague partie de lobbying s'est engagée où tout le monde, en tout cas, beaucoup de gens ont reçu comme moi des courriers en disant ma revue est super, il faut que vous disiez qu'il faut qu'il rentre dans le classement du FT50 et qu'il faut en sortir une autre. Donc j'ai fait comme les autres, j'ai dit il faut enlever celle-là, il faut rentrer celle-là. Et puis après, il y avait des questions importantes de Andrew Jack qui étaient notamment comment on pourrait mesurer l'impact. Donc c'était une question ouverte. Et donc Andrew Jack est venu au premier, ainsi que d'autres éditeurs. Le deuxième, c'était plutôt les associations nationales. La prochaine fois, il y en a un, c'est les éditeurs. Il y en a un autre où ça va être les responsables, en gros, politiques au niveau des pays et des régions comme la Commission, etc. Donc, ils sont sur le sujet qui est l'évaluation de la qualité de la recherche. Vous avez des gens du monde entier qui sont autour de la table et qui discutent du sujet et présentent la façon dont ça fonctionne. Donc, je vous conseille, c'est gratuit. C'est parfois des horaires parce qu'il faut que le créneau horaire marche sur à peu près 24 sur les 24. Mais pourquoi je vous disais ça? Oui, et j'ai dit à un moment donné, vous avez des écoles qui disent, moi, je suis The Sustainable Business School. Et puis après, quand vous leur dites comment ils mesurent le résultat de la recherche, j'utilise le FT50. Et là, vous vous dites, bon, il y a quand même un problème. C'est-à-dire que je ne peux pas dire qu'en même temps, je suis... la business school du développement durable, je caricature, hein, on s'entend bien, et puis que l'outil qui sert à mesurer les résultats de leur recherche n'a rien à voir avec le Schmilblick. Donc, à un moment donné, je l'ai redit dans une institution parisienne prestigieuse à midi où je faisais une présentation sur le même type de sujet, je leur ai dit, à un moment donné, la FNEJ est fournie un outil générique, comme d'autres, dont les établissements doivent s'emparer. Si à un moment donné, vous dites, ben, nous, compte tenu de notre positionnement, il y a dans les revues de rang 2, j'en ai 5 que je fais passer en rang 1, 4 que je fais passer en rang 3, inversement, des rangs 3 que je fais passer en rang 2, ben, il n'y a pas de problème. Vous avez une politique, il faut aligner l'ensemble de vos politiques, que ce soit de votre centre de recherche ou de votre établissement, avec la façon dont vous valorisez en interne les résultats de la recherche pour les enseignants chercheurs. Et là, il y a des gros progrès à faire. Donc, je ne me dédouane pas en tant que délégué général de la FNEJ en disant « moi, je produis un classement, c'est vous qui en faites ce que vous voulez ». Mais quand même, à un moment donné, le classement, il doit être de la même façon. J'avais des discussions avec Haute-Deville pour CNU et elle en est parfaitement consciente. Et d'ailleurs, elle le dit.
Les publications d'articles, c'est un élément du dossier. Il y a d'autres éléments dans le dossier le CNU, comme le HCRES, j'étais avec Stéphanie Châtelain aussi, ce n'est pas juste un endroit où on compte les croix ou les étoiles. C'est-à-dire que vous avez un outil qui vous simplifie la vie, mais qui ne. Si vous voulez, on prend un ordinateur et un classeur Excel, il va vous donner les résultats de toutes les commissions qu'on tient et on passe des heures à discuter. Et si c'est pour discuter sur des chiffres. Uniquement, il n'y a plus besoin de nous réunir. Hein. Vous rentrez dans des Excel et puis ça vous sort la liste des promus de l'année prochaine. Quoi. Donc la liste ne doit pas déresponsabiliser les responsables. Dans le terme responsable, responsable, ce n'est pas qu'être chef, c'est aussi être responsable, c'est donc gérer ses institutions, gérer ses organismes qui utilisent la liste. Voilà un peu, tu l'as redit, j'ai vu dans une interview récente, Michel, cet alignement entre la stratégie des établissements et la façon dont ils mesurent, ça, ce n'est pas un classement qui va pouvoir le faire à la place des établissements. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Que pensez-vous du logiciel Publish or Perish de Anne Will Harsing? Alors ça, je veux bien répondre parce que je l'ai utilisé, parce que comme j'ai fait une présentation, j'ai fait tous les H-index de toutes les revues françaises. Alors d'une part, vous utilisez Google Scholar parce que je n'ai pas d'abonnement Web of Science, etc. pour faire le calcul, vous apercevez que la fiabilité est très limitée. D'ailleurs, comme j'ai rendu public les tableaux dans lesquels j'avais indiqué de toute façon que j'ai pu me tromper, parce que pour ceux qui ont déjà utilisé le logiciel Publish or Perish de Harsing, ils savent que c'est fastidieux. C'est-à-dire que vous êtes bloqué en permanence, vous devez reconnaître des éléphants et des autobus sur des photos à peu près toutes les 10 minutes pour pouvoir continuer vos recherches. Certaines revues, alors plus la revue en plus a un H élevé, plus ça prend des plombes pour obtenir le résultat. Vous avez plusieurs moyens de chercher. Moi, j'ai utilisé les ISSN parce que je suis à peu près sûr que tout ce qui est pris en compte est vraiment publié dans la revue. Donc, résultat des courses, j'ai eu ensuite des coups de fil en me disant, mais moi, quand j'utilise le logiciel Harsing, j'obtiens pas les mêmes résultats que toi. Je vais partager mon écran là comme on fait en ce moment et puis je vais rentrer l'ISSN et puis on va voir le résultat qui sort. Et puis là on me dit ah ben oui. Ben oui mais moi j'ai pas rentré ça, j'ai rentré le nom de la revue. Là, je dis oui mais si tu rentres le nom de la revue, il faut reprendre ligne à ligne pour vérifier que tout ce qui t'a été attribué est bien publié dans ta revue. Et je dis ça, je me suis tamponné 50 revues, c'est juste un travail qui était un travail pour faire un état des lieux, pas pour faire le classement. Le tableau qui circule éventuellement en ce moment n'est pas celui qui sera utilisé pour faire le classement, c'était juste pour faire l'état des lieux et lancer le classement. Et puis d'autres m'ont dit, bah, oh merde, Kern n'a pas bien référencé et quand moi je vais sur Google Scholar et que je calcule à la main le H-index, il est bien supérieur à celui qui est fait par le publisher Perish de Harsing. Je dis, c'est, pour moi, c'est compliqué, c'est-à-dire que si je veux avoir quelque chose de reproductible, je ne peux pas demander à chacun de faire son calcul du H-index parce que le publisher Perish de Harsing. Alors après, le souci, c'est que c'est à peu près le seul indicateur où les revues françaises apparaissent. Donc, ça a un intérêt, c'est un indicateur quantitatif, qui ne doit pas être utilisé tout seul et qui a ses limites parce que bah, quand vous lancez et que vous commencez à une fois prendre le titre de la revue, une autre fois l'ISSN, si vous changez le nombre d'années que vous prenez en considération pour calculer le H-index, les résultats peuvent être très différents. Donc, c'est un outil qui n'est pas inutile, mais qu'il n'y a pas une fiabilité exceptionnelle en termes de résultats. Donc, ça peut contribuer à former une décision, mais vous ne pouvez pas asseoir
une décision sur une revue en vous fondant sur le, uniquement sur le publish and perish de Harzing, ou son, outre son aspect extrêmement fastidieux lorsque vous ne cherchez pas simplement votre achat index à vous. Quoi. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui. Oui, d'accord. Merci. Je n'avais pas vu les autres. Oui, il a ses limites. Oui, c'est... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, points, que je vais remercier Géraldine, Michel, Charles-Henri d'avoir accepté de participer avec moi, et puis remercier IAE France d'avoir accepté et de nous avoir proposé de présenter nos activités. C'est très, très sympathique de votre part, parce que en général, la FNEJ est connue, mais on ne connaît pas toutes nos activités. On n'a pas présenté ici toutes nos activités, mais quand même une partie importante pour la communauté. Et puis, sachez bien que la FNEJ est un organisme qui est au service des établissements et des enseignants-chercheurs attachés à ces établissements. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un du réseau qui... Ah, oula, j'ai des noms. Merci beaucoup, Jérôme. Je prends la parole. Eric étant empêché, là, il y a une petite heure, il a eu un imprévu. Donc, merci beaucoup, Jérôme. Merci beaucoup à tous les intervenants pour la richesse des témoignages et des présentations. La FNEJ, nous on connaissait, mais j'ai beaucoup appris. Hein, je pense que nous avons été nombreux à voir l'étendue des dispositifs que vous avez mis en place et que vous avez créés et que nous sommes fiers de valoriser. Donc, c'est une vraie richesse pour les sciences de gestion, c'est une vraie force d'avoir une fondation comme la FNEJ dans notre système. Et vous savez que le mois de l'international, c'est une première pour IAE France. Et donc, notre président a annoncé il y a peu de temps que ce serait institutionnalisé, donc une rencontre annuelle. Et bien, nous espérons vous retrouver l'année prochaine pour notre rencontre annuelle et vous faire également une belle place dans notre organisation. Merci beaucoup à tous et à très bientôt pour quelques événements encore pendant ce mois de la recherche. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir.